Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, il a commencé à se poser des questions sur la mort. Il ne pouvait plus même profiter de la vie tant qu'il ne saurait pas ce qui lui arriverait après la mort. C'est alors que son meilleur ami lui a remis une Bible, tout en lui précisant qu'il ne craignait pas la mort parce qu'il connaissait Jésus comme son sauveur personnel. Alors venez avec moi pour entendre la suite de ce merveilleux changement de la bouche même de mon invité, de notre invité, M. Yvan Gaudreau. Yvan, bienvenue à l'émission, crois-tu? Merci pour votre invitation. C'est un privilège d'être ici avec vous. Une première question qu'on pose à nos invités, c'est à quel endroit es-tu né? OK, moi je suis né à Cap-Chat en Gaspésie en 1953. Ceux qui veulent faire le calcul, ça donne 71 ans cette année. Je suis marié depuis 45 ans et père de trois belles filles. J'ai eu des bons parents. Gaspésie, j'ai des parents exemplaires. Là, on ne peut pas rien demander mieux. Chez nous, on ne parlait jamais de divorce, de séparation. Mes parents étaient vraiment. Puis, si je connais, c'est jamais devant nous autres. Peut-être à l'extérieur, mais jamais devant nous autres. Donc, regardez dans un climat de sécurité. Mais mes parents, en bon catholique, ils nous ont conduits dans la religion qu'ils pratiquaient et qu'ils pensaient qu'elle était la meilleure pour moi à l'époque. Et parce qu'on me disait à ce moment-là, hors de l'Église, point de salut. Et c'était une religion, pour ceux qui l'ont connue, les jeunes de ma génération, assez rigide à l'époque, là. Il fallait aller à la messe à tous les dimanches, sinon c'était un péché mortel, tu allais en enfer. Si on voulait communier, il fallait être 3 heures à jeun avant d'aller faire la communion. Il y avait plein d'autres choses, la confession obligatoire devant un curé, là, qui était parfois bourru. Mais comment faire? Moi, je craignais Dieu dans le sens que je le craignais comme un Dieu un peu bourru comme le curé, là, tu sais, qu'il fallait lui obéir. Donc, ce n'était pas le vrai Dieu, ce n'était pas une bonne crainte. Mais je voulais aller au ciel, donc j'essayais de lui obéir du mieux que je pouvais. Mais tu y allais selon l'image que tu percevais chez les serviteurs de Dieu. C'est ça, absolument. Il y a eu, au fin des années 60, le concile. Le Concile Vatican II, avec le pape Jean XXIII. Et à ce moment-là, ils ont commencé à changer toutes sortes d'affaires. Avant ça, le curé, il était à l'hôtel à l'envers, on ne voyait même pas. Oui. C'était en latin, c'était plat. Là, ils mettaient ça en français, ils ont viré l'hôtel de bord. Ils ont introduit les messes à gogo qui appelaient avec l'instrument de musique. Plus besoin d'être 3 heures sans manger pour prendre la communion. Et ça a ébranlé ma foi d'enfant dans le très saint, le pape qui appelait. Parce que je me disais, si le pape est infaillible, pourquoi est-ce que ça a changé? Je me disais, donc, il n'est pas infaillible. Qu'est-ce qui était vrai il y a quelques années n'est plus vrai aujourd'hui. Et ça m'a ébranlé. Puis, je n'aimais pas ça. Je me disais, rien, parce que moi, je veux aller au ciel. Là. Et dans la religion, à ce moment-là, c'est qu'on n'avait pas le droit de lire la Bible, parce qu'on n'était pas assez instruit. Il fallait avoir étudié en théologie pour lire la Bible. Et une chose aussi, c'est que, bon, je ne veux pas être trop négatif sur cette religion du passé parce qu'ils m'ont quand même transmis des bons principes, des bonnes valeurs. La principale chose que je pourrais reprocher, cependant, c'est qu'on ne parlait pas suffisamment de Jésus. Ou quand on en parlait, c'était un petit Jésus. Ce n'était pas le Jésus, lui, qui avait créé l'univers, qui était mort sur la croix pour porter nos péchés. On parlait beaucoup de Marie, qui était co-rédemptrice. On parlait des saints. On parlait des indulgences. Mais. Par purgatoire, les choses n'existent pas, mais bien sûr, Marie, elle existait, mais c'est pas elle qui nous sauve, c'est Jésus. Et graduellement, j'ai commencé à demander à mes parents, mais je peux-tu aller m'asseoir en arrière à l'église? Je me suis allé en arrière. Ensuite, je suis allé en haut, m'asseoir en haut, au jubé. Ensuite, à Dans le l'arrière, au jubé, jubé. dans le jubé. Ensuite, à l'arrière, au jubé. Puis après ça, j'y allais plus du tout. J'y allais plus du Oh, tout. tu t'es rapproché tranquillement de la porte pour sortir finalement. Absolument, comme ceux qui sortent le fumier comme il y a. Mais je comprends les gens de ma génération qui ont rejeté Dieu, là, comme des fois on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais je crois qu'on peut dire que notre religion n'était pas vraiment représentative de Dieu, mais ce n'est pas une raison pour rejeter Dieu. C'est malheureux que beaucoup de Québécois veulent que tout soit laïcisé partout et que Dieu soit à l'extérieur de tout.
Dieu continue à exister, même s'il a été mal représenté. Mais malheureusement, certaines personnes ont été frustrées à cause de cela. Et donc, je me disais, si Dieu existe, il n'est pas ici. Donc, je n'ai pas mis une croix sur Dieu, mais le fait que j'avais moins peur de Dieu, si on peut dire, j'ai commencé avec les jeunes à l'adolescence, à 17-18 ans, à avoir du plaisir, entre guillemets, là, à foirer la boisson. Et j'étais du type timide. Donc, en prenant la boisson, ça m'a rendu plus gai, si on peut dire, ou joyeux. Oui. Et bon, ça m'a permis de faire des amis, puis d'être prendre ma place dans ma gang, si on peut dire. Ça a quand même créé une dépendance à l'alcool parce que je n'étais pas bien dans ma peau si je n'avais pas d'alcool. Et j'avais deux buts dans la vie. Le premier, c'était avoir du fun. Et le deuxième, c'est d'avoir plus d'argent pour avoir encore plus de fun. Donc, c'est un peu compliqué. Et aussi, il y avait l'orgueil de la vie. Je voulais avoir un bon salaire, une grosse maison, quelque chose qui dirait que je suis quelqu'un, je pourrais m'identifier à ça. Alors que ce n'est pas ça qui m'identifie. Et dans tout ça, lorsque j'allais dans les discothèques, les bars, les clubs, bon, on prenait de la boisson, il y avait de la fumée, la musique, la noirceur. Et quand on prend de la boisson, il faut aller aux toilettes à un moment donné. Et quand j'arrivais aux toilettes, la lumière était allumée. Je portais devant le miroir, je voyais mon visage un petit peu défiguré à cause de l'alcool. Puis là, je me disais, mais ça, c'est pas vrai tout ça. Mais ça me sentait comme hypocrite, je me sentais que ça marchait pas. Donc, mais quand je retournais avec mes amis, ça revenait la même chose. Je continuais à fêter. Et de fil en aiguille, je me suis ramassé au cégep. Et par après, je me suis inscrit à l'université pour aller étudier. Et justement, j'étais avec l'ami que tu parlais tout à l'heure qui m'a donné une Bible. OK, ben mon cher Yvan, on va prendre une pause, on va réfléchir à tout ce qui vient d'être dit là, de la part de ton témoignage. Et après la pause, ben de retour, je crois qu'on va être à l'université, si j'ai bien compris. En plein ça, oui. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Juste avant la pause, Yvan, tu nous parlais que ben, la religion a pris le bord, et puis c'est le plaisir, hein, le plaisir avec les chums, les amis, les copains. Mais il y a les études aussi, il faut être plus sérieux, là. Le cégep, l'université. Oui, absolument, absolument. Et c'est là que j'ai quitté mes amis et j'ai commencé à sentir un vide parce que j'avais plus la gang, tout ça, pour me stimuler. Mais il y a un de mes amis qui, lui, m'a suivi. Et lui, depuis un bout de temps, il parlait beaucoup de la mort, tellement qu'il me faisait peur. Mais il avait fait un pacte avec moi. Il m'avait dit, le premier qui va mourir des deux va venir dire à l'autre, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Au début, je ne voulais pas parce que je n'aime pas ces choses-là. Là. Ben, OK, il a fait le cadre, j'ai accepté, il avait tellement insisté. Et ensuite, sur le campus universitaire, il y a des chrétiens évangéliques qui étaient là. Et quand moi, je les voyais, je les fuyais comme la peste. Même j'étais presque impoli avec eux. J'ai réalisé par après que c'était à cause qu'ils parlaient de Jésus. Et le Jésus, j'avais entendu parler de ma jeunesse, je savais que ça ne marchait pas. Je me sentais un peu comme si on avait abusé de ma naïveté d'enfant. Et quand on revenait avec Jésus, me remettre ce que j'avais laissé, qui n'était pas pour moi, qui était peut-être pour les enfants, mais pas pour les adultes, pas pour les hommes, parce que des hommes, ça parle fort, ça sac, ça parle de sexe, ça fait des jokes de n'importe quoi, ça prend le coup. Donc, je trouvais que les chrétiens, ils étaient doux, ils étaient super gentils. Mais moi, je n'étais vraiment pas poli avec eux. C'était comme le fait qu'on avait abusé de ma naïveté d'enfant. C'est comme s'il y avait une blessure en dedans qui faisait que j'avais la colère. Je ne savais pas à ce moment-là pourquoi je réagissais comme ça. Mais Ça se c'était le cas. passait où ça, Yvan? C'était à quelle Sherbrooke, l'Université université? de À Sherbrooke. Sherbrooke. Ouais. Mais mon meilleur ami, lui, qui parlait souvent de la mort, les a écoutés. Puis, à un moment donné, il m'a invité qu'est-ce qu'il appelait un débat de midi à l'université. Il mettait quelqu'un dans le coin de la cafétéria qui avait quelque chose à dire.
Et tout l'heure du midi, la personne exposait quelque chose, ensuite les gens posaient des questions. Il y avait un monsieur, Yves Pétel, qui était un ancien astrologue qui s'était converti à Jésus. Il y avait une chronique d'ailleurs dans le Journal de Montréal à chaque semaine. Et lui, mon ami, dit, viens, viens, il y a de quoi à vous raconter. Fait que moi, je suis allé dans la cafétéria, mais à l'autre bout complètement pour pas l'entendre. Je ne veux rien savoir. Sauf qu'après mon dîner, je suis allé porter mon cabaret à l'endroit où on vide nos assiettes et tout ça, on fait le ménage. Là, j'étais plus près, heureusement, mais j'entendais ce qu'il disait. Fait que j'ai tendu l'oreille 2 minutes à peu près, en m'assurant que mon ami ne me voyait pas ou que j'écoutais. Et il a dit quelque chose. C'est pas dans la vie, c'est pas d'avoir une grosse maison, une grosse auto, d'être quelqu'un qui est important, parce que ça va passer. La monnaie, tu vas mourir, qu'est-ce qui va te rester? À ce moment-là, c'est comme si lui avait cassé quelque chose en dedans de moi. J'ai commencé à me dire, hey, je peux pas être heureux tant que je savais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, j'avais peur de mourir j'avais peur d'être perdu. Puis là, j'étais plus profiter de la vie comme avant, parce que j'avais me dire, voyons, d'un coup qu'il a raison, tout d'un coup qu'il a raison, que ça a bien de l'allure, son affaire, parce que on dit corbillard, c'est pas le coffre-fort, c'est pas le corbillard, Alors. c'est mon cas. Et donc, lui, il a comme brisé mon fun. Et à ce moment-là, je suis allé étudier la bibliothèque tout de suite après dîner. Et c'est à ce moment-là que mon meilleur ami m'a apporté une Bible, il m'a mis ça sur le coin du bureau. Là, j'ai. Quoi ça? Je la voulais pas. Et il me l'a donné. Puis là, il m'a dit, tu sais, le pacte qu'on a fait, le premier qui va mourir, va venir dire à l'autre que sur l'autre côté, ben, oublie ça, je sais ce que l'autre côté, maintenant, je suis sauvé, Jésus m'a sauvé. Sauvé. Donc, c'était tout un langage qui était nouveau pour moi. Mais lui, je voyais qu'il était transformé, c'était plus le même gars, il était joyeux, il sifflait, il parlait de Jésus. Donc, je le connaissais depuis 7 ou 8 ans, je l'avais jamais vu le même. Donc, à cause de son témoignage, à cause de sa nouvelle vie, ça m'a interpellé. Donc, je lui ai dit, je vais la lire, ta Bible. Parce que je me suis mis à la lire, mais plus je la lisais, plus je voyais que ça m'interpellait. Et ça me disait qu'il fallait que je change, ça me disait qu'il fallait que je donne ma vie à Dieu, que j'étais orgueilleux, menteur, que je renonce à ma vie. Mais je n'aimais pas ça, je n'aimais pas ça. Et à l'époque, j'aurais aimé que la Bible ne soit pas vraie. Aujourd'hui, je suis content qu'elle soit vraie, mais à l'époque, j'aurais aimé qu'elle soit pas vraie pour pouvoir mettre ça de côté et dire, bon, je vis ma vie là, sans me préoccuper de ça. Mais plus je la lisais, plus je voyais que c'était bien, bien, bien rédigé, puis ça avait de l'allure, ça se tenait, il n'y avait pas de contradiction, au contraire de ce que je pensais. Et là, à un moment donné, je me suis mis à dire, ben Dieu, là, si tu existes vraiment, je veux que tu te montres à moi. C'était comme. Puis là, j'aurais voulu, je me souviens, là, je prenais des marches des fois, là, je criais dans mon âme, dans ma tête, Dieu, là, ouvre-moi le ciel, puis écris-moi quelque chose, là. Dis-moi, Yvan, c'est beau, continue de même, fais une bonne vie, fais du bien, puis quand tu vas mourir, je m'occupe de toi, tout est réglé. Puis ça n'a pas marché, le ciel n'a pas ouvert, il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu rien d'écrit. Mais c'est comme s'il a commencé à me faire réaliser des choses. Là, je réalisais que j'étais loin de lui. Il m'avait créé, puis j'étais comme séparé de lui. C'est bizarre, c'est probablement. Mais c'est lui qui travaillait dans mon cœur pour me montrer des choses, là, que je réalisais que lui était pur, saint, immaculé, et que moi, j'étais à cause de mon adoucissement, à cause du fait que je voulais rien savoir de lui. C'est ça qu'on appelle le péché, à faire des choses qu'on sait qui déplaisent à Dieu, mais on ne s'en préoccupe pas. Et à cause de ça, j'étais vraiment séparé de lui. Puis là, je disais, ouais, mais pourquoi tu nous as créés pour nous laisser comme ça? Tu n'aurais pas dû nous créer, tu nous crées, puis là, on est pris comme ça. Et à ce moment-là, j'ai pas apparu dans le ciel, là, Yvan m'occupe de ça, je ne pas, c'est un peu, me fait réaliser, Yvan, inquiète-toi pas, je m'en suis occupé. Waouh! Puis là, je réalisais, oui, mon état de péché, qu'est-ce que je méritais parce que j'étais éloigné de Dieu, Jésus l'avait payé à ma place en mourant sur la croix. Mais Je si vais tu veux, écouter ça. Yvan, on va prendre une pause ici. Oui. On va réfléchir à ça que Dieu s'est occupé de ton péché. Tu es en train de nous donner la solution à cela, là. Que Oui, Jésus-Christ est OK. mort à la croix pour ton péché. Mais après la pause, j'aimerais qu'on en parle davantage, OK. cette réalité. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre
passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croitu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Yvan, tu réalises que tu es un pécheur, le péché est sous diverses formes dans ta vie, et puis le Seigneur te dit dans un sens où Dieu te dit « je m'en suis occupé ». Veux-tu nous expliquer cela? Oui, c'est ça. En lisant la Bible, je voyais que Jésus il disait « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il est le chemin à suivre, il est la vérité, donc on peut se fier à lui. Et on lit aussi dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, qu'il a toute chose a été créée par lui. Donc, c'était plus le petit Jésus que j'avais connu. Donc, quand je lisais la Bible, en chassant tout mon arrière-plan religieux, fausse conception qu'on m'avait mis dans la tête, et je lisais la Bible pour ce qu'elle était vraiment. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre des choses. Je me disais, il ne faut pas que je manque mon coup. Là. C'est sûr que si je donne ma vie à Dieu, je vais perdre des amis, des gens qui vont rire de moi. Mais est-ce que je vais m'occuper de ce que les autres vont penser ou de où je vais être pour l'éternité, qu'est-ce que Dieu pense? C'est ça qui était le plus important. Et je réalisais que Jésus avait vraiment existé. Si on regarde, il y a eu, même le Nouveau Testament avait récité, il y a comme 5000, plus de 5000 manuscrits qui prouvent son authenticité comparativement à Jules César qu'on a en 1900. Donc, on peut faire des erreurs dans la vie, mais il ne faut pas manquer mon coup. Et, donc, tu étais devant une grande décision. Absolument, absolument. Là, j'avais un choix à faire. Et c'était clair. Fait que là, il était 2h du matin, j'étais dans mon lit, couché, puis je réfléchissais. Puis là, j'ai dit, Dieu, c'est vrai la Bible, c'est vrai que Jésus est mort pour moi. Une décision à prendre. Prends ma vie, si tu la donnes. De l'extérieur, j'ai une belle vie, j'ai une bonne vie, je suis un bon petit gars, mais c'est une faillite au niveau spirituel. Je veux qu'au niveau spirituel, Seigneur, te donner ma vie, prends-la, mais pardonne mes péchés, enlève, on peut dire, la saleté qui me sépare de toi pour me ramener à toi. Mais comme promis, donne-moi ta vie. Tu me dis qu'on te donne la vie, mais tu nous donnes ta vie. Je veux avoir maintenant ta nouvelle vie en Jésus. Et il l'a fait. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait des vagues qui coulaient, sortaient de moi, d'amour, de joie, de paix. J'ai jamais vu d'autre aussi fort que ça par après. Et là, je me suis levé, j'ai allumé la lumière, j'ai frotté les yeux, j'ai lu ma Bible, je comprenais encore mieux là, qu'est-ce qu'il y avait dedans, que ça avait été écrit pour moi. Et à partir de là, ben, je n'étais plus la même personne, ça fait presque 50 ans, mais je n'ai jamais revenu en arrière. Et ce n'est pas la religion. La religion, c'est quelque chose qu'on prend pour plaire à Dieu, alors que là, si j'ai accepté que ce que Dieu avait fait pour moi, c'était gratuit. Et j'avais lu dans la Bible, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, c'est tout le monde. On était séparés de Dieu. Ensuite, il y a un mail, le verset suivant. C'est pas un mail, c'est un « Et ils sont gratuitement justifiés. » Donc, rendus juste gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Rédemption, ça veut dire racheter. Donc, Jésus nous a rachetés pour nous rendre juste aux yeux de Dieu. Et quand mon ami m'a invité à son église, j'ai vu qu'il y avait des gens-là qui avaient compris la même chose que moi. On était sur la même longueur d'onde. Ça fortifie ma foi. Waouh! On ne s'est même pas parlé, vous avez compris la même chose. Plein de gens qui avaient compris la même chose. Je suis allé voir après dans l'Ouest canadien. Même les anglophones avaient compris ça. ça me surprenait. Alors, le seul et unique moyen par lequel on peut avoir une place au ciel, par la foi en Jésus. Donc, tu te promènes un peu partout dans le Canada, puis tu réalises,
Les gens ont adhéré à cela, les gens ont cru cette vérité-là, Oui, peu importe leur absolument. milieu différent les uns les autres. Absolument. Puis la vie n'a pas été sans difficulté, là. Mais je suis convaincu à 100% que je suis avec Dieu, là, après mon départ d'ici. Et Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, mon cher Yvan? T'es sauvé. Alors, ce que tu trouvais bizarre autrefois, tu le déclares toi-même aujourd'hui à la télé, tu es sauvé. absolument, absolument. Et ce que je dis aux téléspectateurs, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir la tête aussi dure que moi. Moi, je m'identifie un peu à Thomas, qui a pris du temps. Ça m'a pris un an et demi, là. Je vous comptais ça vite, ça prend un an et demi avant que je comprenne. Et je vous encourage à faire comme moi, de dire à Dieu, je ne vais pas le mettre au défi, mais lui dire, si tu existes, là, révèle-toi à moi. Et moi, je disais, peut-être que ce n'est pas Dieu. Quand je prenais Dieu, c'était la religion. Je disais, toi qui m'as créé, toi qui m'as mis là, peux-tu venir me le dire? Et graduellement, et j'ai fini par comprendre des choses. C'est lui qui me les a fait comprendre. C'est pas ma petite tête d'homme que j'ai compris ça. C'est une révélation directe d'en haut de Dieu, hein? Oh, oui, oh, oui. Donc, ce n'est pas embarquer dans un système où c'est de parler à notre Créateur. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une relation qui est comme personnelle. C'est lui qui va nous accueillir. Oui. Et comme tu dis, cette relation-là, tu l'as établie par la foi, par l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu une fois sur la terre pour régler la question du péché. Et ça fait presque 50 ans maintenant que tu as cette relation Ouais, vivante. puis je disais qu'on a besoin d'être justifié, d'être rendu juste devant lui, parce qu'il ne peut pas nous accueillir en sa présence si on n'est pas justifié. Et je me rappelle lors d'un voyage dans le sud, lors d'un forfait, on avait un bain de boue. On a parlé d'un bain de boue, on allait en autobus. Après ça, c'était une des étapes. Et on a eu bien du fun, on était dans le bain de boue. Mon épouse est mal commode un peu, ça fait que ça était permis, elle m'avait pas mal graissé. Et quand on est sorti du bain de boue, ben là, il n'était pas question d'embarquer dans l'autobus avec les autres. Fait que le chauffeur, alors, on avait dit au chauffeur, on va embarquer. Elle a dit, non, va te nettoyer avant. Et c'est un peu comme ça avec Jésus. Donc, toi, nous accueillir dans son beau ciel, parfait, avec nos grosses bottes, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est que c'était prévu, il y avait des eaux sulfureuses, il y avait une grande baignoire là, dans le roc, et on est allé se laver là-dedans, on est sorti, et par après, Et là, vous pouviez monter dans l'autobus. Ah oui, là on n'est plus rentré, on était propre, on était Eh accueilli. bien, une belle illustration de comment on peut entrer au ciel. Il faut être lavé, purifié par le sang de Jésus. Oui. Courte pause, mon cher Yvan. Et puis après la pause, ben, on conclut ton témoignage. Et puis je lance une invitation à nos téléspectateurs pour le comment nous rejoindre. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Yva, tu nous dis que t'es sauvé. Comment tu expliquerais ça là, en quelques minutes là? Comment un téléspectateur lui aussi peut se déclarer sauvé un jour? Oui, c'est ça. Quand on était dans la religion, on disait souvent que Jésus est un sauveur. Souvent, on ne nous disait jamais comment l'accepter comme sauveur, comment reconnaître, accepter son salut merveilleux. Et des gens nous disent, ouais, il est sauveur, sauvé de quoi? Aujourd'hui, il n'a plus de péché. Donc, le péché, comme je disais tout à l'heure, c'est notre attitude vis-à-vis de Dieu de lui dire, je ne veux rien savoir de toi, je ne veux rien savoir de ce que tu penses, je fais ma vie à ma façon. Ou même ne jamais répondre à son invitation aussi. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, son but, c'est de nous attirer à lui et de nous sauver. Et le fait qu'il soit mort sur la croix
Dans le fond, il a pris sur lui qu'est-ce qu'on méritait. Parce qu'à cause de nos péchés, on méritait une séparation avec Dieu. Et lui, il a été séparé d'avec Dieu en étant sur la croix. Il y a un verset on le voit dans Galates, mais aussi dans l'Ancien Testament, où on dit que celui qui est accroché sur une croix entre ciel et terre devient maudit aux yeux de Dieu. J'ai compris que Jésus, même s'il n'avait pas fait de péché, il était comme rejeté de Dieu. Ce Et que on veut voit dire que maudit, les rejeté. ténèbres, c'est ça. Et donc, mais il n'est pas resté là. Jésus, il n'est pas resté comme tous les autres prophètes, Mahomet, etc., sont restés dans le tombeau. Mais Jésus, comme il l'avait dit, 3 jours après, il est ressuscité. Il y a tellement de choses que Jésus a dites qui sont avérées vraies. Et là, il dit qu'il va revenir nous chercher et on va pouvoir ressusciter ceux qui sont morts, comme lui a ressuscité, parce qu'il a prouvé qu'il était capable de le faire. Donc, Étant j'encourage. toujours vivant aussi, il peut sauver parfaitement celui qui s'approche de... Ben, celui qui demande le pardon, il peut le pardonner. Étant toujours vivant, c'est le grand prêtre qui peut intercéder pour nous. Oui, il est Yvan, je te toujours là. dis merci, puis je veux juste laisser un peu à nos téléspectateurs quelques coordonnées, entre autres, nous écrire. Alors, écrivez-nous à croitu.ca. Ben, venez nous rendre visite, tiens, sur l'adresse. Alors, et puis sur le site, ou appelez-nous, le numéro de téléphone est là à l'écran aussi. Des études bibliques le mardi à 19h pour le Québec, 20h Nouveau-Brunswick. Samedi à 9h30, il y a des témoignages en direct sur Zoom à croitu.ca. Puis recevez notre littérature, faites-en la demande, elle est gratuite, entre autres, un passeport pour le ciel. Voilà. Monsieur est excité. Il a hâte de répondre à vos questions, surtout d'avoir vos commentaires. Tout ça, c'est un service gratuit. Alors, Yvan, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission. Un grand plaisir pour moi. Et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?